Bienvenue dans cette vidéo dans laquelle on va aborder la raison principale pour laquelle aujourd'hui tu souffres d'essoufflement et on va voir comment tu vas pouvoir t'en débarrasser une fois pour toutes. Peut-être qu'aujourd'hui tu souffres d'essoufflement et ça impacte la qualité de ton entraînement parce que tu n'arrives pas à te donner à 100% lors des entraînements et peut-être que également ça t'empêche de performer à ton plus haut niveau lorsque tu es en compétition. Donc on va voir que dans cette vidéo, il y a pas mal de fausses croyances par rapport à l'essoufflement. On va voir pourquoi est-ce que les méthodes qui sont généralement proposées ne marchent pas et ce pour une raison très simple. Donc peut-être qu'aujourd'hui tu es quelqu'un qui fait des sports d'endurance tels que du triathlon, peut-être qu'aujourd'hui tu es quelqu'un qui fait des sports de combat tels que la boxe thaï par exemple, ou peut-être que tu es quelqu'un qui fait des sports collectifs, bref, qui fait un sport en compétition et qui est vraiment gêné par son essoufflement. Alors généralement, ça peut se traduire de la manière suivante. Donc imaginons que tu es triathlète et par rapport au triathlète que j'ai pu accompagner et qui souffrait également d'essoufflement, c'était un petit peu le même scénario. Donc en plus du stress de la compétition, les personnes commençaient donc à se jeter à l'eau et au bout des 10, 15, voire parfois 100 ou 200 premiers mètres, il y avait un décrochage, on partait en hyperventilation, on avait les poumons qui étaient en feu, on perdait également la concentration, on était un peu perdu au milieu de l'eau, on n'allait plus dans la bonne direction, bref, on ressortait donc de l'épreuve de natation, on était déjà cané. Et en plus, ça continuait sur le vélo et c'était encore pire lors de l'épreuve de course à pied. Donc forcément, c'est très compliqué pour être à 100% alors qu'on a finalement qu'on commence l'épreuve avec une épine dans le pied. Et quand tu fais des sports de combat par exemple, c'est exactement la même chose, c'est toujours pratiquement le même scénario qui revient. Tu commences ton premier round, tu le gères plutôt bien. Arrive donc la fin du round, tu commences à être un petit peu essoufflé, tu n'arrives pas à récupérer le temps donc de la pause entre le round numéro 1 et le round numéro 2. Tu commences le round numéro 2 alors que tu es déjà fatigué, l'essoufflement commence à s'empirer, tu décroches, tu commences à avoir les jambes qui commencent à être lourdes, tu n'arrives plus à envoyer des coups aussi rapidement, tu perds également en concentration et en lucidité, tu arrives beaucoup moins facilement à voir les coups venir, tu prends beaucoup plus, etc. etc. Tu n'as qu'une envie, finalement c'est que ça s'arrête et généralement tu perds ton combat alors que même parfois sur le papier tu es donné favori. Simplement parce que tu as un problème d'essoufflement, tu n'as pas un problème pour gérer ton souffle durant un combat, tu as vraiment un problème d'essoufflement. Donc ce qui se passe généralement quand tu es dans ce cas-là, tu vas travailler des exercices spécifiques pour améliorer ton cardio, ton endurance, etc. Donc ces exercices, ils marchent très bien. Ça va te permettre d'améliorer pas mal de qualités. On va le voir notamment si tu passes des VO2 max, tu vas donc l'améliorer. Donc tu vas améliorer finalement l'inhalation, le transport ainsi que l'utilisation de l'oxygène. Mais finalement, tu sais que tu as toujours ce problème d'essoufflement, ça reste toujours un petit peu en stand-by et ça revient toujours au moment de la compétition. Ça t'empêche de performer, d'être à chaque fois à 100% et forcément, ça t'amène de la frustration de ne pas pouvoir développer ton plein potentiel et parfois de perdre une compétition ou de devoir t'arrêter parce que tu n'as plus de souffle. Donc le problème avec ça, c'est que l'ensemble des exercices qu'on te propose lorsque tu fais du cardio, c'est bien évidemment, je mets la parenthèse, mais on va travailler essentiellement sur l'oxygène. Or, si tu veux travailler sur ton essoufflement, ça a à voir avec ce qu'on appelle le CO2. Donc la solution, si aujourd'hui tu as un problème d'essoufflement et que tu veux donc t'en défaire, ça va être de travailler sur ta tolérance au CO2, ta tolérance à l'essoufflement. Et à partir du moment où tu vas commencer à travailler sur ce paramètre et uniquement sur ce paramètre, dans un premier cas, tu vas pouvoir tout simplement baisser tes différents blocages tels que l'hyperventilation, tels que également l'essoufflement et pourquoi pas l'asthme d'effort. Donc pourquoi ? C'est plutôt simple.
Le fait d'hyperventiler et le fait d'être essoufflé, c'est que dans ton organisme, quand tu vas commencer justement à faire un effort, eh bien tu vas avoir l'oxygène qui va être consommé, ça va produire du CO2. Le CO2 va monter jusqu'à un moment où ça va donc atteindre la sonnette d'alarme. Tu as atteint un certain palier, tu as trop de CO2 pour ton corps et ton corps, eh bien, va te demander tout simplement d'hyperventiler, il va te faire entrer en essoufflement pour que tu puisses, eh bien, tout simplement relâcher un maximum de CO2. Le problème avec ça, c'est que tu vas arriver et tu vas rentrer dans un cercle vicieux et généralement, ça se termine par un décrochage. Donc le but va être justement d'augmenter cette tolérance au CO2. Et une fois que tu auras bien évidemment augmenté ta tolérance au CO2, donc dans un premier temps, je te l'ai dit, ça va te permettre eh bien, de diminuer tes gènes et tes blocages, mais d'un autre côté également, et ça c'est le double effet qui se coule, ça va te permettre eh bien, tout simplement d'améliorer tes performances. Comment ? Eh bien, on va mettre en jeu ce qu'on appelle l'effet bord. Donc l'effet bord, eh bien, c'est le fait que plus, alors bien évidemment, je mets des pincettes, des guillemets et je caricature, plus tu vas avoir de CO2 au niveau du sang, plus ça va appuyer sur les globules rouges, sur l'hémoglobine. Et forcément, cette pression va tout simplement aider l'oxygène à être beaucoup plus facilement relâché dans la circulation sanguine et ça va être beaucoup mieux capté par les muscles. Donc finalement, tu vas avoir beaucoup plus d'oxygène qui va arriver au niveau des muscles. Donc si on fait un gros raccourci, eh bien tu vas avoir beaucoup plus d'oxygène et beaucoup plus d'énergie. Donc forcément, tu vas être beaucoup plus performant. Donc si tu n'as qu'une seule valeur eh bien, à retenir pour pouvoir en terminer radicalement avec ton essoufflement, eh bien, c'est la tolérance au CO2. Donc maintenant, peut-être que tu te demandes, ok, c'est sympa Kevin, mais comment est-ce que je vais pouvoir travailler sur ma tolérance au CO2? Eh bien, c'est très simple. C'est ce que je te propose de faire ensemble au travers du programme 30 jours pour éradiquer ton essoufflement sans avoir à t'entraîner plus. Donc durant ce programme, ce qui est intéressant, c'est que ça va marcher sur tout le monde et sur toute discipline confondue. C'est-à-dire que la tolérance à l'essoufflement, peu importe que tu fasses du football, de la boxe, que tu fasses également du triathlon, que tu sois à un niveau amateur, un niveau pro, semi-pro, voire élite, eh bien c'est quelque chose qui marche chez tout le monde à partir du moment où tu mets les exercices en place. Il y a même des études scientifiques qui l'ont prouvé. Ensuite, ce qui est intéressant avec ça, c'est que tu vas avoir des résultats qui vont être rapides. En l'espace d'un mois, tu vas véritablement ressentir un avant et un après. Donc à savoir qu'avec les exercices que je vais te proposer dans le programme, alors il ne faut pas se voiler la face, au départ ça va être inconfortable. Le fait de vouloir faire augmenter la tolérance au CO2, les exercices que je vais te faire mettre en place et qu'on va mettre ensemble en place combinés à ton entraînement, eh bien il va y avoir une phase où tu vas sous-performer. C'est parfaitement normal. C'est le temps d'adaptation, on va faire en sorte que ton corps il s'adapte eh bien, avec ces nouveaux exercices. Donc tu vas augmenter progressivement cette tolérance au CO2, tu vas passer un cap. Et donc là, il y a un moment, peut-être que tu vas retourner courir, peut-être que tu vas retourner nager, peut-être que tu vas retourner faire un sparring. Et là, tu vas dire, ah putain, j'ai l'impression d'être beaucoup moins essoufflé ou peut-être que même tu ne vas pas t'en apercevoir. Donc généralement, on a les premiers résultats au bout d'une à deux semaines et il faut pratiquement un mois pour pouvoir eh bien, faire inverser la vapeur. Et ce qui est intéressant, c'est qu'à partir du moment où les résultats sont là et à partir du moment où tu conserves les exercices que je vais te partager dans le programme, eh bien, c'est quelque chose que tu vas pouvoir garder à vie. Donc dans un premier temps, tu vas pouvoir diminuer ton problème d'essoufflement, ton problème d'hyperventilation ou pourquoi pas ton problème d'asthme d'effort. Et également, eh bien, tu vas voir que tes performances vont augmenter. Tu vas être beaucoup plus frais, tu vas être beaucoup plus léger, tu vas pouvoir envoyer les coups beaucoup plus facilement et tu vas pouvoir courir également beaucoup plus facilement et beaucoup plus détendu. Donc également, ce qui est intéressant, et ça c'est simplement physiologique, c'est qu'à partir du moment où tu vas avoir ton essoufflement qui va commencer à diminuer, l'ensemble des exercices qu'on va mettre en place vont te permettre également d'améliorer ta concentration et ton focus. Peut-être que tu t'en es aperçu. À partir du moment où tu commences à hyperventiler et à partir du moment où eh bien, tu rentres en période d'essoufflement,
Alors que tu boxes, que tu cours, peu importe, eh bien généralement, on a un petit peu la machine qui s'emballe. On commence à stresser au niveau physiologique et finalement, on commence à rentrer dans un cercle vicieux. On peut avoir ce petit vélo dans la tête, on peut commencer à avoir un bouillonnement mental et on sent qu'on est beaucoup moins apaisé, qu'on est beaucoup moins là et qu'on commence à rentrer en stress. Donc ça, c'est extrêmement problématique lorsque tu boxes. Par exemple, parce que tu vas pouvoir, tu vas pouvoir prendre des coups que normalement tu n'aurais pas dû recevoir. Quand tu es en course à pied, tu n'arrives plus forcément à être dans le moment présent et tu n'as qu'une envie peut-être, c'est allez j'arrête, j'en peux plus, j'en ai marre, etc. Et à partir du moment où tu as ce monologue interne qui commence à arriver, c'est généralement le début de la fin. Tu vas voir qu'en travaillant sur ton essoufflement, vu que tu vas diminuer cette problématique-là, c'est un petit peu comme des vases communicants, tu vas baisser ton essoufflement et de l'autre côté également, tu vas avoir ta concentration et ton focus qui vont augmenter ou du moins qui ne vont pas baisser. Et ce qui est intéressant avec ça, notamment en course à pied, c'est que ça va être beaucoup plus intéressant pour rentrer dans ce qu'on appelle l'état de flow. Donc, bien évidemment, j'en ai parlé tout à l'heure, ça va te permettre également de mieux performer. Donc ça, c'est le double effet qui se coule, c'est qu'à partir du moment où tu travailles sur ta tolérance au CO2, bien évidemment, tu travailles sur ton essoufflement, mais également, tu vas travailler de manière, en parallèle, sur tout ce qui va être performance. Donc performance, comme je te l'ai dit, la performance, on va avoir plusieurs critères. On va notamment avoir le VO2 max qui va être donc l'inhalation, qui va être le transport et l'utilisation de l'oxygène. Tu vas voir que là, on a parlé en début de vidéo, tu vas améliorer grâce à une concentration en CO2 beaucoup plus élevée au niveau de ton sang. Tu vas pouvoir faire pression beaucoup plus sur les molécules d'hémoglobine. Tu vas pouvoir relâcher beaucoup plus d'oxygène au niveau de ton sang et forcément tu vas pouvoir utiliser beaucoup plus d'énergie et donc ça va te permettre tout simplement de prolonger l'effort. Donc tu vas repousser ton seuil de fatigue et tu vas également pouvoir développer beaucoup plus de force et également beaucoup plus de performance. Donc voilà ce que te permet finalement le programme 30 jours pour éradiquer ton essoufflement sans avoir à t'entraîner plus. Et c'est également ça qui est intéressant, c'est que tous les exercices que je te propose dans ce programme, tu n'auras pas besoin de rajouter des séances d'entraînement. C'est ça qui est extraordinaire et qui est assez intéressant. Tu vas garder exactement le même entraînement que tu as aujourd'hui, sauf qu'on va combiner ces exercices avec ton entraînement actuel. Donc tu n'auras pas besoin de rajouter des séances spécifiques, tu n'auras pas besoin d'alourdir ta programmation qui, si tu es compétiteur, l'est sûrement déjà beaucoup. Non, là, on va rajouter des exercices bien spécifiques qu'on va combiner avec des exercices que tu fais actuellement. Et tu vas voir que, notamment, il y a un exercice auquel je pense, pour lequel tu n'as besoin de absolument rien changer. Et quand je dis absolument rien, c'est absolument rien. Tu vas voir que la plupart des boxeurs peut-être le font de manière inconsciente, sauf que là, on va le conscientiser et tu vas voir que ça va t'aider énormément. Je vais y arriver, on arrive sur la fin de la vidéo, donc je commence à perdre, pas à perdre mes mots, mais je commence à avoir, d'ailleurs je vais prendre un petit coup. Et si tu fais également, par exemple du triathlon, si tu fais également de la course à pied, peu importe, un sport d'endurance, du trail, tu vas voir que généralement cet exercice, il nous semble complètement paradoxal avec ce qu'on nous dit actuellement. Et ça, c'est un exercice que je propose à chaque fois et c'est le premier exercice que je mets en place lorsque j'ai des athlètes que je suis. Généralement, on me regarde bizarrement au départ, on me dit pourquoi, comment, c'est pas logique, etc. Les personnes le mettent en place. Comme je te le dis, c'est inconfortable au départ. Et puis au bout d'un moment, après une semaine, deux semaines, on revient me voir, tu fais « Ah Kevin, finalement maintenant, j'ai vu le changement, il y avait clairement un avant et un après. » Et maintenant, je le fais tout le temps, je le fais même dans la vie de tous les jours. Voilà, donc si tu veux aujourd'hui travailler sur ton essoufflement, sache que tu as la possibilité de rejoindre le programme. Donc je le rappelle, c'est 30 jours pour éradiquer ton essoufflement sans avoir à t'entraîner plus. Si tu regardes cette vidéo, tu as le lien directement dans la description de la vidéo YouTube, c'est le premier lien qui apparaît.
Et si tu regardes cette vidéo donc sur le site, sur le blog, eh bien tu as le texte qui est juste en dessous de cette vidéo. Voilà pour l'essoufflement. Écoute, eh bien il ne me reste plus qu'à terminer cette vidéo et de te retrouver bien évidemment de l'autre côté. Je te dis à très bientôt.